Bon les amis, nouvelle matinée et là on va en direction donc de la ville de Brezina. Petite ville et une sorte de canyon de ouf. On va essayer d'y aller, essayer de vous montrer ça. C'est juste magnifique. Là on est sur la route, c'est au moins je crois 200 km où il n'y a pas de magasin, rien du tout, pas de café. Donc si vous voulez faire ce chemin tarit Brezina, ramenez avec vous voilà, de quoi manger, café. Et mettre surtout un plein d'essence parce que si vous tombez en panne, si on tombe en panne ici, galère, faut mettre la exactement, il faut bien prévoir la route. Et donc voilà, là, le soleil va bientôt se lever. Exactement, comme vous pouvez le voir juste là, c'est juste magnifique. Donc là, au moins à peu près, je crois, 5 heures de route, à peu près plus, un peu plus de 5 heures de route. Donc voilà, donc. Je vais vous montrer ce que ça donne. On a fait une petite pause les amis, regardez juste la vue magnifique. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Mais ils sont tous en train de me regarder bizarre là. C'est spécialement pour les chameaux en fait. Un truc de ouf. Regarde là, la mouche. Ouais, elle a de la mousse. Ouais. C'est quoi? La mousse, pour le besoin de pour coupler. Ah ouais? Pour coupler, je vais se boire. Bon, on va laisser boire tranquillement. Bye bye les chameaux. Samy. Ouais. Je vous propose une question. Ouais, dis-moi. C'est qui différent les chameaux? Cette nomade, il y a plusieurs de chameaux. Ok. Et cette nomade, il y a plusieurs de chameaux. Qui sépare les chameaux de Samy et de Ayoub? Femelle et mâle, c'est ça? Non, c'est ça. Mâle et femelle mélangé. Ça mélange. Chaque chameau, chaque nomade, il y a une matricule sur le bas. Regarde. Il y a un dessin, un motif. Un motif. Regarde. Je veux que je regarde, il y a un motif. Viens ici. Chaque chameau une marque, c'est ça? Oui. Différent. Mais où ça? Où ça? Bon. Comment ils nous regardent tous. La marque, on la viande. Tiens, regarde. Ouais. Comme le cou. Le cou d'eau, voilà. Comme ça. En fait, ils lui ont rasé un peu okay. Les poils. Enfin, les poils. Comme les poils. Par contre, il y a des chiens, moi, j'aime pas les chiens. Lui, il surveille les. Regarde combien on me regarde sur le côté. Vas-y, matin, je regarde pas. Moi, les chiens, j'aime pas. Hein. Il a pris le bâton, il est parti direct. Il avait un. J'ai compris le matrice. Ah, j'ai compris. Ouais. Ah, trop bien. Chaque nomade, il est un matrice spécial. Ah ouais. Et il faut combien de kilomètres eux? Qui est chaque nomade, qui est matrice. C'est ouf. La caserne, c'est là-bas et eux, ils sont à côté. Tranquille. Ouais. Mais ils restent toujours ici. Restent toujours ici, oui. Oui. Et les chameaux, ils font quoi en fait? Sortir à la centre-ville pour gagner. Ils les vendent, ils font quoi? Les besoins de. Bon, toujours sur la route. Toujours sur la route. Et là, on cherche un café. On devrait pas tarder dans le premier village. Le village s'appelle Watanamos. Et du coup, on va voir si on peut prendre un café. Prendre un café puis reprendre la route. De loin, un petit Hanoussa, j'ai vu. J'ai détecté une petite boutique. Ah, mais je sais, à boutique, il doit y avoir un café, c'est sûr. Restaurant, non, machine restaurant. Restaurant, non? Non, machine restaurant. Ça date le gars avec un de le café. Demandez s'il fait. Ah, ouais, demandez s'il fait.
Ah purée, je crois, il a regardé. Il y a un oiseau qui est rentré dans le... Il y a un oiseau qui est mort. Ah, un oiseau. C'est un oiseau, oui. Oh, yeah. L'oiseau, il a foncé dedans, le skin. Skin, il est peur. Alors, ouvre le capot. On va voir de l'autre côté s'ils font du fécal. Petit trahima en chemin. On va s'arrêter là, on va prendre le fécal. Enfin, le thé, je pense. Plus de chance d'avoir un thé qu'un café, je pense. Il y a du thé ? Marco ? Quel est le thé ? Thé ? Il n'y a pas de café. Bon, on va se poser. Petit endroit tranquillou. Ah oui, il y a de l'eau. Bismillah. J'ai peur que ça casse. Okay. Moi je suis loin, t'es serré. Ouais, t'as rien. Merci. Tu commences à rêver. Il est fort. Fort, oh, il est bon. Bien dosé. Bien dosé, voilà. T'as le gâteau, c'est le gâteau? Oui. Ça Madeleine? Oui, Madeleine. 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 Ouais. On est à combien de kilomètres là de Brésina? Brésina. Chal pas le Brésina d'accord. Le Benoît de Bakela, chal. Le Benoît de 500 semaines. 160 kilos. 160 kilomètres. Oui. En fait, les gorges de Brésina, c'est juste avant la ville, en fait. Sur notre chemin, normalement, Inch'Allah. Trop bien. C'est quoi, Balkhlawa? Balkhlawa. Balkhlawa, ok, d'accord. Je peux en avoir un comme ça, s'il te plaît. Le gâteau est trop. Je crois que ça nous met 10. Tu peux me faire un café presse aussi pour parce que s'il te plaît. Un café presse. Hein. Pas à temps. Bon, là, regardez, il y a une petite route. On vient de quitter, on vient de quitter la nationale. Et on a pris la route pour aller au niveau des gorges de Brésina. Et la route, elle a l'air d'être bonne. Regardez, pas besoin d'être un 4x4. Ça passe crème. Bon, là, du coup, on est en train de contourner, en fait, les montagnes de roches pour pouvoir trouver un endroit où on pourrait monter. Il y a le drapeau algérien, je l'ai vu tout au fond. Là, on arrive dans une zone où il y a une haïma, un chameau, une haïma, un touareg ou un nomade. Et le monsieur va nous servir de guide, je pense. Hein. Ça va la veste? Ça va, ça va. L'endroit il est juste magnifique. Oh là 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 là. Ici. Dis-lui comment on fait pour monter en haut. C'est sur celle-là.
C'est l'autre. C'est pas celle-là. C'est impossible. Possible maintenant. Ah, celui-là, impossible. Okay. Non, ouais. Lequel? Okay, mais c'est lequel alors? Il n'y a pas de route pour... Voilà, donc il y en a une autre ou une route? Oui, oui. Les deux. Les deux montagnes, c'est possible, oui. Mais celle-là, ok, mais c'est non. Ok, d'accord. Vous avez l'entrée du camp, en fait. Vous avez celle-ci, cette sorte de grande montagne de roche. Et vous en avez deux autres juste derrière. Celle-ci, on ne peut pas monter, mais les deux autres, oui. On va voir ça par la suite. Un endroit pour faire les ablutions. En plus, il y a eu l'heure de la prière. Bon, les amis, je viens de faire mes ablutions, je vais faire ma prière. Puis, on va essayer de monter. Monter tout ça. Attention de ne pas tomber. Hein. J'ai fait tomber le drone dans cette zone-là. Un peu dégoûté, mais bon, j'espère récupérer quand même la carte mémoire qui est dedans. Voilà. Et du coup, bref, regardez quand même le paysage de dingue. Moi, je vais passer par un chemin un peu moins chaud. J'arrive. Et toi, tu passes par des chemins d'anges. Amen. Ah, je vais faire un détour. Donnez-moi. Bah, tiens. Bismillah. Mon drone sera enterré ici en Algérie, dans la ville de Brezina. Je pense qu'il a dû scratcher à fond les manettes. Au moins, il est tombé entre les deux, vous voyez, les deux grands rochers immenses. Après, s'il a atterri trop bien, je kifferais. Mais on va s'attendre à le voir en poussière. La map, elle me met, bon, je vois pas très bien, je sais pas si vous voyez. Mais le mec, c'est ici, entre ces deux grandes montagnes de roches. Ah, il y a l'ombre. L'ombre, c'est là. L'ombre, là, je crois. Là-bas, normalement. Et là, je suis pile à l'endroit où il y a l'ombre. Donc, normalement, elle devrait être là-bas. Faites qu'il a encore envie. Dégoûté. Je serais dégoûtage. Encore plus loin. Il y a la petite montagne là. Peut-être là. Peut-être ici là. Je crois. Et vu que je me suis rapproché, il bip, mais je sais pas s'il est mort ou pas, il l'a trouvé. Je crois qu'il a l'air d'être en vie. Hein. Oh purée, il s'est posé. Regardez l'endroit. Bref, profite, magnifique. Je suis content que mon drone. Ah, il n'est pas cassé, bismillah. Celui qui l'a retrouvé, j'ai fait biper. Trop bien. Il n'est pas cassé. Celui-là, il m'a. Il y a des serpents ici. Mais bon, bonne chance. Voilà. Très bien. Là, il doit y avoir des chacals. Non? Ah ouais? Tu as un bâton? Il y a le chacal, le chien du désert. Les chats du désert. Il y a des fennecs? Oui, il y a des fennecs. En plus, moi, j'aime pas trop passer par les chemins comme ça. C'est pire qu'un trek, là. Bismillah. Waouh, c'est un truc de fou, là, pour monter. C'est un truc de ouf. Regardez là. Je suis pas fatigué, mais moi c'est des trucs bizarres qui me. C'est les bêtes.
J'aime pas les serpents. Bon les amis, regardez la vue de fou. Attention, pas tomber. Et là, on est presque arrivé. On est arrivé presque tout en haut de la montagne. On va marcher vers ici. Éprouvant, fatigant. Mais sincèrement, c'est magnifique, c'est super beau. On va continuer du coup. Bismillah. Ça aide. Allez. Voilà. Je crois qu'on est arrivé là. On est arrivé. Tout en haut. Tout en haut. C'est ça la maison. Il y avait une ancienne maison là, vous voyez. C'est un truc de ouf. Et là ici. Oh. Ah ouais là. C'est magnifique. Vue de dingue. On va se rapprocher vers là-bas. Vous allez voir les grands rochers de l'autre côté. On saute comme ça, on arrive direct au camp. Oh non. Rapidement. Regardez les amis, la vue de ouf qu'on a. Et dire que ça, c'est en Algérie. Par contre, je peux pas vous mentir, j'ai le vertige de ouf. Je m'apprends, ça fait flipper quand même. Bon, arrivé de nouveau au camp, j'ai ultra soif, on a ultra soif, enfin, on a faim de ouf, on n'a rien mangé depuis ce matin, on arrive au camp, juste en face, j'ai un peu d'eau, je crois, il me reste un peu d'eau, et j'ai faim, j'ai grave faim, j'ai le ventre là, il gargouille. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il est ultra gentil, monsieur. Celui qui m'a aidé à retrouver le droit. Let's go, on va chercher un resto. Parce qu'on a faim. Bon, là on s'est arrêté dans un restaurant dans la ville de Brezina, centre-ville. Je vais manger un truc, ça va être un. Frites omelette. La sauce t'a déjà fait. Le poulet. Bon, très bien mangé. J'ai payé 1440 dinars en gros pour 3 repas. Frites de poulet. Et on va dire 400 dinars par personne, 480 dinars. Bon les amis, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.